Eh oui, on n'a pas vu celle-là, c'est pour ça, non. Voilà. Dans une petite collection Switch, eh oui. Déjà, ça fait presque 2 ans que je l'ai, hein. Plus de 2 ans, ouais, mais Switch. Switch, comme sur le Switch, dans l'achat, bien sûr. Je suis acheté au Japon en 2022, hein. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu pas beaucoup, hein. Mais je joue quand même. Voilà, tous les jeux sont là. Voilà. Alors voici, il y a 19 jeux, je pense, 19 jeux total. Oh, j'ai même pas foncé à ça, c'est mon seul collecteur que j'ai. Mon seul collecteur. Voilà. C'est tout. Allez, c'est parti. Collection Switch, c'est maintenant. Voilà. Collecteur Switch, c'est maintenant, les amis. Voilà. Ouais, ben, pas beaucoup de jeux Switch, pas beaucoup. Et j'ai pas beaucoup, mais j'ai fait au moins les principaux. Voilà. Dans l'ordre d'achat, bien sûr. Voilà, ça va s'y mettre. Voilà, on a tout ça ici. Le premier de liste, c'est notre ami Biohazard Revelations. Que j'ai acheté au Japon en 2016, entre 5080 yens, ça fait environ, enfin à l'époque ça faisait environ mal quoi, un peu moins à peu près, et que j'ai fait un petit peu dessus. Bon, j'ai pas fait le Revelations 2 parce qu'il est en code DLC, parce qu'il faut qu'on japonais, et puis en Europe il peut sortir. Ah ouais, tous les bazars, tous les Resident Evil, sont sortis sur Switch, le Revelations 1 et 2, le 0-1 et le 4-3, le 4-5-6 sont sortis, mais au Japon il existe en boîte pour le 0 et le 0 existe en boîte et le 4. Et 5, 6, le 1 c'est encore DLC. Ah, et le DLC qui dure environ 1 euro. Donc on dit à tenir que vous n'avez pas le temps pour même dans 2 ans. Enfin, des fois, 1 an, c'est moins de temps. Et là, c'est assez celui-là. Et c'était mon premier achat avant la console. J'avais acheté le jeu, j'ai pas encore la console. Et oui, premier jeu de suite, c'était celui-là. C'est, voilà, je joue, voilà, il est là. Voilà, premier jeu de suite, c'est celui-là. Après, j'ai acheté. Après, ah si, après j'ai acheté celui-là, mon deuxième jeu Switch, mon deuxième achat. Ou pas. Ah non, même pas. Non, même pas, même pas. Non, non, il y a d'autres jeux, non. Il y a eu Catherine. Catherine que j'ai acheté en 2020, je pense, c'est sorti en 2019. Et j'ai acheté en européen. Et j'ai fait un ami, voilà, Catherine, ben, il est rare, parce que le jeu base, Pietro et 4 sont déjà à la base, et celui-là, il est rare aussi, genre. Présent tous les jeux, c'est des jeux pas courants, parce qu'on ne trouve pas à vous sauver, par exemple. Et j'ai acheté celui-là, avec le piste, pas qu'il y avait, c'est tout. Voilà, il est rare aussi. Non, c'est plus, c'est Catherine. Après, en 2002, avant Japon, je pense, et celui-là est sorti, son boîte, le Nier Automata. Il n'est pas ouvert parce que j'ai un ami qui l'a vu la version lui, il n'est pas ouvert alors que j'ai mis. Mais bon, je passe, mais bon, je peux le faire ouvrir, je peux le faire un peu, mais il est là. Mais Miss Menor, c'est un petit mauvais de chez X. Ils ont sorti une version en cacote DLC à l'intérieur, et pas de boîte, donc il est vendu 20 balles. Pour moi, c'est juste. Et donc, je vais appeler la côte. Voilà, merci. Pas merci plutôt, donc moi j'ai la boîte, et voilà. Voilà. Après, tous les jeux que j'ai acheté aux. Ah non, mais sûr. Voilà, tout ça, et celui-là aussi. Voilà. C'est bon, c'est celui-là avec. C'est le 3, j'ai acheté avant pas de bon, c'est 22. Le collecteur qui est le plus vert dedans. Le collecteur, il y a l'artbook et tout, hein, sur le CD, sport, tout ça, la kit spécial et tout et tout. Et celui-là, j'ai acheté longtemps. Et j'ai fait que. Après, parce que j'ai pas le canal de moi, j'ai pas construit d'artbook encore. Mais j'ai acheté 100 balles. Maintenant, il coûte bien plus cher. Qui n'est pas édité à beaucoup d'ampères. Comme tous les collecteurs, là. C'est mieux des collecteurs. Ah. Ceux qui sont bien bons, sont les neufs. Ah, j'ai ouvert une fois. Et là, après, j'avoue. Et sûr, je prends le 1 et le 2 en japonais, qui sont. Parce que après, quand on rentre, celui-là était très bien père, et le 2 est un code DLC dedans, je pense que non. Il ne sait pas en boîte en Europe. Et non, ou presque, donc on peut dire que non. Voilà, donc voilà, bah, c'est moi, j'ai acheté au Japon pour. Soit sur la 5e 9, sur la 3e, quoi je ne sais plus. Mais voilà, et là, j'ai les 3. Voilà. Après, il y a d'autres jeux que j'ai acheté au Japon en ce moment-là. J'ai acheté celui-ci. Celui-là. Et celui-là. Et celui-ci. Ouais. Soit j'ai acheté celui-là au Japon, j'ai été. Ah ouais, c'est ça, ça j'ai été autour. Ouais, c'est là au Japon que j'étais. Donc c'est celui-là, puis celui-là. J'ai acheté celui-là. Alors, Ninja Gaiden Master Collection. Qui, pareil, celui-là n'existe pas en Europe en boîte. Parce que les gars, non mais franchement, non, il n'y a plus d'ailleurs. Pour 3280 yens. Voilà, il n'existe pas en boîte. Moi je les ai fait en PS4 aussi, tout ça. Et là, j'ai surtout que là, pour. J'avoue, l'Europe est scandée, moi, de moi, c'est la vie, hein. Merde, au secours. Non, mais moi j'ai tout en boîte, hein, je vois. Et là, mais là, il se. J'avoue, il n'était plus à la fois. J'ai vu, il était nulle part. Voilà, c'était mon. Et il y a une collection, et il y en a rare.
fois, t'as celui-là qui est assez rare aussi. Celui-là, pareil, à l'Europe, il se prend en boîte. Hein. Moi, j'ai celui-là pour le même cher, et le magasin pour 7,5 4,4 yens. C'est ça, donc voilà, et puis il se prend en boîte. Donc, et c'est le Megalabilis Life qui est non censuré, parce qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas comparé à la version PS4, qu'il est. Enfin, c'est le Megalife. Ah, le jeu, lui, est responsable. Il n'y a pas de France si tu veux. Voilà. Ensuite, comme deuxième jeu, il y a celui-là. Celui-là, je l'avais en français, j'avais donné à un ami. Et ça, c'est la version anglaise. Sentinel à Gisrig, que j'ai en PS4. Et là, c'est la version anglaise, puis en 2022, en 5 minutes, je pense. Mais là, il est assez rare aussi. Voilà, bon. Voilà, belle boîte. Voilà, vous pouvez la remercier. Voilà. Là, on arrive après. Tout ça, après, c'est sûr. On rentre en France et j'achète ces jeux-là. Voilà. Alors, tu as le Persona Strikers. Strikers. En Switch, hein. J'ai fait PS4 à une époque, en 2021, ouais, et il est ressorti en Switch, voilà, en même temps quasiment, hein. Voilà, parce que là, c'est 35 balles, 9 balles. Ensuite, tu as le Persona 5 Royal, évidemment, hein. Ça fait même temps, payé 45 euros, c'est surtout une version anglaise, bon, tant mieux, mais les jeux d'autres français sont encore, c'est pas tout, voilà, et toi que c'est beau, voilà. Ensuite, le foot, le Crisis Core que j'ai acheté plus ou moins de temps aussi là, en Switch, le Crisis Core FF7 Reunion, tout ça. Et ensuite tu vois non, le FF7 que j'ai pu faire refaire en une année, c'est Switch, le 7 et le 8 pour 40€, 30€ je vais payer, hein, c'est, voilà. C'est le Final Fantasy 7 et 8, c'est une pack, voilà. Ensuite pour finir, voici mes deux derniers jeux Switch. Sorti récemment, enfin récemment. Au Japon, j'ai acheté celui-là, le Kingdom Hearts Memories of Melody. Ensuite, j'ai payé de 2000, mais pas le jeu, voilà. Intéressant, voilà. Et pas mal. Ici. Voilà, c'est le Kingdom Hearts Memories. Et pour finir, le dernier jeu acheté récemment, je vous le jure, une fois, le fameux Is Tardix. On le reçoit pas une. J'ai le PS5 en semaine et PR européenne aussi. Et là, aussi. Sur le Twitch qui est au grand dessus, voilà. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo rapide. Tous mes jeux de Twitch, tout est là. C'est pas moi, c'est un petit set. On se rejette les jeux comme c'est par là. Pour moi, c'est tous les jeux assez rares, tout le monde trouve le magasin, parce que là, les jeux regardent. Moi, j'ai aucun jeu Nintendo de ma liste, donc voilà. Et aucun jeu en débat. Donc, c'est le prêt en débat. Alors, c'est ma petite question du Twitch, voilà. C'est tout. Voilà, petite question, appréciez pas cette vidéo. Voilà, je vais laisser dessus, je vais faire quelques photos, etc. indifféremment. Et voilà, c'est fait, c'est Switch, et envoyé. Voilà, ciao. Merci, à bientôt. Ciao.